Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de partout, la paix de Dieu soit avec vous. Allons, belle bagaille, les mondes à pleurer, mon Dieu, lorsqu'on est capable d'exalter lui, pour noblesse attribuée, élévation de personne et le caractère parfait du travail humain. Monsieur, que nous tous qui suivons le programme Sakoulière, nous avons joué à moi-même pour nous pointer au moins l'image de la vidéo pour nous dire de façon pas nous. C'est ici la journée, la soirée, la période que le Seigneur nous a faite. Nous allons prendre la période, ça, temps ça, pour nous adorer, pour nous étudier, paroler et renouveler l'engagement nous à servir avec foi, reconnaissance et sincérité. Nous allons essayer nous pour nous prier. Ô Éternel, bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous posterner devant vous dans un moment ça pour nous dire merci de ce que non seulement vous sauvez nous, mais vous avez notre Bible, parole qui écrit, de telle manière que nous sommes capables de grandir dans la connaissance de personne et de plan pour nous-mêmes. Et que nous sommes capables de vivre heureux sur la terre en attendant que nous allons jouir de l'espérance que nous gagnons aujourd'hui. Hein. Lorsque l'expérience va venir concrète, que relation avec vous-même, il va faire face à face. Alors que à ce Seigneur, nous va appliquer nous à répondre à certaines questions que le monde qui a su nous voit et nous. Donc on va saisir tant ça à tout pour parler à cœur nous, à cœur de tout le monde qui a su nous, qui a écouté, qui a prouvé nous, coulière, et pour convaincre nous de nécessité pour vivre à petit au Jésus-Christ. Si nous prions comme ça à ce Seigneur, ce n'est pas que nous méritons grâce à eux. Mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, comme nous t'ai annoncé tout dernièrement, chaque vendredi coulière, nous va gagner réponse à questions. Questions que nous posons nous sur la dernière étude, ou bien sur l'autre question, ou bien l'autre question que nous gagnons en banque de questions en tout, nous va prendre un peu dans nous-mêmes pour nous faire un programme spécial ça, chaque vendredi. J'espère que pendant tant que nous pourrons passer là, et avant que nous arrivions là dans le même d'ailleurs, nous pourrons faire lecture de la parole, nous pourrons le temps de chant, pendant intervalle ça, vous voyez les amis ou, parents ou, et le monde qui nous travaille avec vous-même, qui est intéressé à la parole de Dieu, pour dire, vous venez suivre le programme ça. Pour être capable de monter sous chaîne Adonai Baptist Church ça, pour être temps de réponse à certaines questions que l'autre monde posait. On n'est que réponse à questions basées sur la Bible. Donc, son forme d'étude biblique tout, mais qui prend rade, qui prend aspect de réponse à questions. Donc, on nous prépare pour nous tendre questions, pour nous répondre à nous-mêmes et pour que vous partagez l'opportunité cela avec les amis, parents et collègues. Pas oublier que vous êtes capable d'abonner à la chaîne, soit abonné à la chaîne Adonai Baptist Church. Eh bien, on a bonne occasion pour nous gagner plus de programmes. Qu'il y a son nouveauté nous fait, nous avons trois programmes. Il y a un lundi soir à 9h, il y a un vendredi à 9h, et il y a un mercredi à 8h du soir. Nous voulons gagner 5 programmes, mais pour nous arriver dans 5 là, il faut nous sûr que nous avons des gens qui sont abonnés,
cap suivre nous, cap prêter attention, cap poser question, cap discuter de ça n'a dit. Donc abonnez à Chanel ça, on va retourner à ça tout à l'heure. Mais espérez qu'on va faire ça, on va abonner à Chanel ça de telle manière que vous pouvez mettre la caille nous, la caille auto, plus de disposition pour nous créer, augmenter d'autres ressources qui va aider autant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. En ouvre Bible nos coulières, dans le premier épître de Pierre, chapitre 3, tu me dis dès là-bas que ce passage, ça nous va lire chaque vendredi parce que mon mot là-dedans, mon expression là-dedans, qui a un rapport avec ça que nous avons fait, je vous dis. 1 Pierre 3, à partir du verset 13, mais ça le dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est l'expression ça que moi je m'empile pour capable bailler raison de l'espérance qui n'a ou même, j'avais dit bon Dieu, m'a dénommé pour nous capables d'utiliser raison nous tous. En plus, le monde pense que c'est la foi seule, mais c'est bon Dieu qui fait nous comme des êtres de foi et de raison, de cœur et d'intelligence. Donc, dans certains cas, m'a dénommé pour nous utiliser raison, et c'est ça que nous avons fait dans le programme questions et réponses. Nous avons utilisé et la parole et la raison. J'espère que vous-même, vous allez apprendre à faire ça tout, parce que bon Dieu voulait que nous utilisions toutes ressources que nous mettons dans la création, que nous mettons dans le corps, nous, dans le cœur. Nous. Avant de nous passer à la question, en attendant un chant spécial, que nous avons un groupe de l'Église Baptiste Adonai, que nous avons les Gospel Singers, qui est dirigé par l'organisme Rose Valsin. C'est le groupe qui va chanter un chant pour nous, en attendant les coulières. Thank you.
grand merci à Gospel Singers, sous direction de l'organiste Sœur Rose Valsin, petite moi, pour contribution à programme nous dans un moment ça. On va passer à la question. Première question, Pasteur Valsin, il y a un pile livre qui parlait de vie Jésus-Christ, l'elle était un jeune garçon. Bah, j'entendais pasteur protestant parler de livre ça. Est-ce que c'est qu'on est ou pas qu'on est en rien sous yo? Ou bien est-ce que c'est mépriser ou mépriser ça Jésus te qu'on fait, l'elle était jeune? Il y a une information qui t'a aidé un pile jeune, je vous dis, devant pression la vie. Et, question très élégante, très bien dit. Intervenant même penser que c'est qu'on est pasteur ou pas qu'on est ça qui concernait jeunesse Jésus-Christ. On dit que dans pile livre qui raconte une bonne fantaisie sous vie Jésus-Christ, elle était jeune, comment elle était qu'on jouait, comment elle était qu'on fait un wash, tournait 10, tournait 15 devant notre Timon Parelli. Mais nous regrettons pour nous dire que toute bagaille s'il a eu pas inspiré. Et ça fait nous-mêmes, de groupe que nous avons l'église évangélique, nous pas honoré tradition ça, nous pas parler de nous-mêmes, nous pas citer dans le message. Non. Et qui ça nous-mêmes nous fait? Nous fait exactement ça que l'apôtre Jean recommandait, et nous croyons que c'est ça qui bulle la Bible tout, c'est la raison ça que fait bon Dieu, pas bonne information sur ça où il est jeune de Jésus-Christ, et c'est ça que fait nous les bas ici là aux fantaisies. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 30 et 31, message en dit. Il dit, Jésus-Christ font bonne l'autre bagaille en présence de disciples. Bagaille si là ou pas écrit dans le livre si là. Mais bagaille ça que moi m'écris, il écrit pour que vous soyez capable de croire que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et que l'on croit, vous gagnez la vie éternelle. Dans chapitre 21, Jean dit en l'autre bagaille, dans verset 25, il dit, Jésus-Christ font bonne l'autre bagaille. Si vous avez écrit en détail, je pas sûr que le monde n'a pas qu'imbé tout livre que vous avez écrit. Donc voilà, Jésus-Christ font bonne l'autre bagaille, il dit une bonne parole. Soit vous regardez l'acte des apôtres, ou après les paroles que Paul dit, Jésus-Christ te dit, que nous pas même gagné dans les quatre évangiles. Ça veut dire, le but de la Bible, chers amis, c'est dis-nous, ça qui est nécessaire pour que nous capables croire en Jésus-Christ et que lorsque nous croyons, Jean nous sortit là dans verset 31 Jean 20, nous capables gagner la vie éternelle. Le but de la Bible c'est totalement spirituel. Certainement, la Bible a une information qu'on peut utiliser pour courir en bagaille dans le domaine scientifique, pour courir en vérité sur le plan de la psychologie. Mais le but de la Bible c'est d'abord spiritualité, relation avec bon Dieu. Et ça fait donc pas gagner dans la Bible information sur la fantaisie qui concerne les jeunes Jésus-Christ. Et ça fait tout pas j'entendais un pasteur évangélique qui inspire essentiellement de la parole, de la Bible, pour que il fait allusion à des détails qui pas important qu'on pas capable de vérifier que bon Dieu lui-même n'est pas honoré. Question 2. Pasteur, c'est pas de prier, me prier. Pour bon Dieu capable de bonne preuve que me gagne Saint-Esprit. Mais moi m'pa jamais capable en langue et m'pa jamais joindre aucune réponse dans mes bon Dieu. Est-ce que m'ka dit que me gagne Saint-Esprit tout bon? Les amis, c'est regrettable que un pile monde réduire présence Saint-Esprit dans la vie à seulement baptême et pas baptême parler en langue. Le Saint-Esprit fait plus que permettre monde parler en langue. Le Saint-Esprit bail plusieurs dons parler en langue, c'est un nayo. Mais dans l'autre question et réponse, on te fait comprendre que parler en langue joue un rôle très mineur par rapport à don que Paul l'a mentionné dans 1er épître à Corinthiens, dans chapitre 12. Donc, ce n'est pas parler en langue qu'on peut gagner, qu'on peut faire, que ou même qu'on est, que ou gagne le Saint-Esprit. Il y a deux bagages que je t'ai même mentionné comme preuve Saint-Esprit dans la vie du petit bon Dieu. Premièrement, bon Dieu, bon, yon conviction intérieure que le Saint-Esprit lit dans la vie. Paul dit, dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à l'Esprit, pas nous, que nous-mêmes, c'est petit bon Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on a gagné le Saint-Esprit, parce que
Le Saint-Esprit, bon Dieu, rend témoignage à l'Esprit pour lui parler à l'Esprit, pas en révélation, pas en rêve, non, lui faire sentir que le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Deuxième élément qui est capable de démontrer pour nous-mêmes, pour nous tous, que nous gagnons Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie, non, c'est lorsque nous gagnons ça, Bible a réglé, l'œuvre de Saint-Esprit, bagaille que Saint-Esprit produit. L'apôtre Paul parlait dans l'Étli, dans Galates 5, versets 22, 23, 24, et depuis l'an 17, 18, il établit une différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et dans verset 22, particulièrement, il parle du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience. Examinez la vie avant. Est-ce que vous avez gagné ou deux dans ici là-haut, ou vous pas de gagné aujourd'hui, vous avez gagné? Par exemple, comme la tempérance, par exemple, ou quand vous êtes dans une famille, côté monde violent, monde répond, monde facile, toujours dans la querelle. Et pour venir la tempérance, parce que le Saint-Esprit produit fruit ici là dans la vie. Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie au monde, bon Dieu rend témoignage à l'Esprit, que même c'est petit bon Dieu, mais le Saint-Esprit produit tout dans la vie au fruit qui prouvait, qui démontrait la présence. Réfléchissez sur la vie, regardez les gens hier, regardez certaines transformations que bon Dieu fait dans la vie, c'est la plus grande preuve qu'on rien que le Saint-Esprit présent dans la vie, c'est pas parlant en langue, mais c'est pas parlant en langue. Question 3. Pasteur, si bon Dieu a fait toute bagaille, pourquoi ça va faire tout méchant disparaître pour moun ka gen la paix en terre? Et, amis, la Bible a dit nous tous ces pécheurs, tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Mais ça, Paul dit nous, dans Romains 3, verset 23. Ça veut dire facile, ou même je veux dire, pour regarder le monde à gauche, à droite, pour dire mes méchants, alors qu'eux-mêmes sont méchants. Ou pas tuer le monde, ou pas prendre madame le monde, ou pas prendre bien le monde. Et vous même avez qu'à passer dans le cœur, parce que bon Dieu m'a dit la perfection. Donc, le passer dans le cœur, ou même tout, ou fait partie des méchants. Donc, si bon Dieu t'a détruit méchant, ou même, avec moi-même, t'as pas vu les premiers qu'il t'a détruit. Deuxièmement, l'ordre dit si bon Dieu qu'a fait tout, pour qui ça l'a pas fait? C'est comme si on va questionner non seulement la toute-puissance de Dieu, mais on va questionner l'attribut de Dieu qui fait que bon Dieu, c'est bon Dieu. Enfin, terme que l'on en théologie pour ça, les trois gros mal l'emploi là dans l'expression. Mais bon Dieu, c'est bon Dieu. Ça veut dire bon Dieu gagne une intelligence parfaite, une puissance parfaite qui fait que le décider qui s'agit bon. Et il y en a pas que bon Dieu décide qui bon, c'est que il crée nous avec arbitre nous et pour que nous choisissions. Et l'amour, il fait que, il prend patience avec nous-mêmes, il prend patience avec méchants. Il y en a une responsabilité nous gagne, c'est choisir. Bon Dieu, il dit peuple Israël à part Moïse, Deutéronome 30, verset 15, mettez devant la vie et la mort, choisis. Josué 24, 15, Josué va dire peuple là, si nous voulons choisir, choisis. Moi-même, choisis. Ou t'as pensé que ça t'a suffi? Mais non, bon Dieu, son Dieu de patience, il n'est pas détruit méchant, mais il continue à utiliser de patience, à utiliser moi-même, à utiliser vous-même, pour que nous portions non libre à méchant, jusqu'à ce que méchant, il est capable de convertir. Évidemment, il y a un monde capable d'aller dans l'enfer. Mais tandis que ça, Pierre dit nous, dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit le Seigneur pas tardé dans l'accomplissement promesse pour le retourner, promesse pour le juger méchant. Mais il usait de patience. Donc pour ça, bon Dieu, pas fait tout méchant disparaître. Et parce que bon Dieu, il y a patience, amour, bon Dieu, dit-il, patience, grâce, compassion, miséricorde. Et les plutôt bas méchants, possibilité pour que les repentir. Question 4. Pasteur, n'a vu une époque où l'homme a essayé de pratiquer tolérance pour mon cas vivre ensemble. Non, tant qu'on ça, les prédicateurs protestants, yo, Abdi, c'est Jésus seul qui sauveur. C'est ou pas tenir compte de l'autre religion qui gagne l'autre chef, ou même qui monde qui inspire et tout. Est-ce que ça, c'est pour une preuve de fanatisme, de bigoterie et un manque d'égard pour l'autre culture? Les amis, nous avons des types d'intervention, c'est là plusieurs fois, plusieurs côtés. Mais Jésus-Christ présentait tête lui comme le chemin. La vérité, la vie, ce n'est pas un chemin, Jean 14, 6, ce n'est pas un chemin, non, c'est le chemin. Dans l'acte des apôtres 4, 12, Pierre qui inspirait le saletan de ça l'apprend, non mais Jésus-Christ, il dit, pas qu'il salue une pièce l'autre monde. Excepté dans le monde si là, qui est un nom, le seul nom qui est capable de permettre de nous sauver. Paul qui vient un petit peu pita, à la fois, mais qui recevoir
révélation spéciale, j'en dis nous. Donc, quand elle a parlé de tête li, j'ai bon Dieu révélé li. Et mystère de la foi, mystère de l'Église, dans vision spéciale, dans le pays arabe. Paul va le dire, pita, dans 1 Timothée 2, verset 5, bon seul bon Dieu, mais bon seul mi-temps entre bon Dieu avec les hommes. Donc, les prédicateurs yo, a parlé de Jésus-Christ comme central, comme seul chemin, comme le seul médiateur, seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas fanatisme. Ce n'est pas bigoterie, les amis, c'est la vérité. On souhaitait seulement que le prédicateur mette un peu de nuance, un peu de tacle à parler avec l'autre monde. Pour ne pas avoir l'impression que c'est dans la gorge du monde qui a fourré l'évangile là. Mettez pression sur vous-même. Il doit utiliser tac. Jean-Paul te dit non, il faut grec avec les grecs, juif avec les juifs. Un peu de diplomatie, un peu de nuance, un peu de tact pour présenter l'évangile là. Mais nous pas appelés à faire des compromissions avec vérité centrale ça. Jésus-Christ, c'est lui-même qui seul chemin. Car il y a l'autre culture sur la terre, il y a une pile culture, nous adapter à eux-mêmes, nous devons adapter à eux. Mais quand ça concernait le salut éternel de l'homme, eh bien, son seul monde que bon Dieu ben nous, c'est Jésus-Christ. Question 5. Pasteur Valsin, dans Jean 14, verset 13, Jésus t'a dit que tout ça nous mandé dans nous, papa li va ban nous. Est-ce que depuis un chrétien dit au nom de Jésus, il a terminé prier li, ça c'est garanti que bon Dieu a répondu quand même. Zami, d'après me dit oui, mais mon grec me dit que non. Non. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ, parce que nous n'avons aucun pouvoir pour nous approcher nous de Dieu sans que nous ne passions par médiation, ça, médiation que Jésus-Christ constituait. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ, non seulement dans le cœur, mais dans la parole, nous tout. Mais comme bonne raison que fait bon Dieu par exaucer prière, nous pas gain temps pour nous faire ça à soi. Mais si nous pouvons faire le nom de Jésus à d'abord, c'est pas une formule que bon Dieu m'a dit nous réciter que Jésus commande vous réciter. Vous mettez au nom de Jésus tout bien fait. Non, non, non. Au nom de Jésus signifie d'abord tout ça m'a demandé là, la contribuer à la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ signifie tout ça m'a demandé bon Dieu dans ciel là, c'est ça Jésus-Christ t'a demandé, c'est ça Jésus-Christ voulait pour moi. Donc, ce n'est pas faire n'importe bagaille, mener n'importe quelle vie pour dire au nom de Jésus et vous prier ou exaucer. Ce n'est pas comme ça fait. Dernière question, pasteur Valsin. Dans l'étude où tu as fait tout récemment, dans l'anniversaire mariage, où tu as presque laissé comprendre que c'est travail pour mon travail sur mariage ou pour le cas camper. Permettez-moi de dire ça, d'après moi, où tu as semblé sous-estimer puissance, mon Dieu. Pasteur, ou pas penser que mon Dieu a choisi deux mondes. Yon pour l'autre. Et que le café mariage, moun si la ou réussi, même si yon pas travaille sur mariage là, et même si yon pas gagne aucune connaissance, aucune information sur relation humaine. D'ailleurs, c'est comme ça, apparemment, grand parent de qu'on vive. Zami, si me laisse l'impression que me sous-estime puissance, bon Dieu, alors si vous gagne l'impression ça, ou bien que me laisse le tout dans la mission, sous-estime toute puissance bon Dieu dans la relation mari avec madame, moi regrette sans peine et m'excusez-moi pour elle même. Parce que pas grand rien qu'a fait deux mondes vivre ensemble pendant 15, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça c'est pas bon Dieu. Alors m'a dit, vivre ensemble dans la paix, dans l'amour, ça c'est pas bon Dieu. Si vous prenez parent, non, grand-parent, non, amis, un pile monde écrit par le mariage, qui était une simple formalité de rencontre de deux mondes, puis au fait un monde, sans que pas de joie dans le caille, sans que pas de tendresse, sans pas de douceur. Nous pouvons dire que tout mariage ancien était comme ça, mais en pile, bon, plus que ça, nous quoi. Donc, pile monde qui était dans le foyer seulement pour éduquer Timounio, pile monde qui était dans le foyer pour parler son scandale. Dans le pays côté côté, avec la loi, genre loi côté fait, vous ne faites pas de droit de dormir deux heures, sous dormir deux heures, c'est abandon trois maritales, c'est code de divorce, une bonne loi comme ça. Que nous t'arrivons, je veux dire, illégal, entre guillemets. Et nous connaissons une bonne loi qui est totalement immorale, qui était gagnée dans la société ancienne. Donc maintenant, nous croyons dans toute puissance, bon Dieu, et nous croyons que, je veux dire, encore, pour nous rester longtemps dans le mariage, fidèle à Marie ou fidèle à Madame, et puis nous faire ça dans la joie, dans la douceur, dans la compréhension, ça m'a dit d'abord la toute puissance de Dieu. Mais ça m'a dit, et que ma brouille dit, que ma continue dit, c'est que l'homme étant ce qu'il est, Dieu étant ce que Dieu, bon Dieu, y est, faut nous travailler dans la relation. Ou pas quoi le dire que j'aime quand on a des quelques monde dit, mais manger après manger, bon Dieu dit qui mange, qui épice, permettez de manger. Non, non. Non, bon Dieu, on a
pile responsabilité sur la terre, les créons comme des êtres intelligents qui capable apprendre, qui capable comprendre. Et ceux qui t'es marié à jour avec nature que vous gagnez que moi bien, sans que vous pas fait les ajustements nécessaires, justement le personnalité de ceci de cela, eh bien c'est vers l'échec que nous va marcher. Ou dit dans fin question que est-ce que bon Dieu va choisir deux mounions pour l'autre, sans pas nous entendre souvent même. On écrive un français de l'envergure de Lamartine, tu dit que chaque âme bon âme sœur capitaine. Les amis, bah ici là on pas prouvé vrai pas montrer vrai. Bon Dieu a pris bon Dieu établit des conditions, des principes généraux dans la Bible et bon Dieu a guidé ou bon Dieu a marché avant un choix qu'on va le faire, mais choix de madame ou choix maro, mon capable maro, capable madame, ça c'est responsabilité non, c'est responsabilité bon Dieu. Même gens qui mangent ou va manger aujourd'hui, qui mangent ou va manger demain, c'est responsabilité pas bon Dieu bon travail, bon Dieu permettre que la terre produit, permettre que gain marché, mais choix c'est vous même capable le faire les amis. Maintenant, puisque c'est vous-même qui fait choix, c'est va toujours un choix qui est limité, puisque nous-mêmes avec moi-même nous limiter dans la nature, nous. Nous va faire des choix qui déjà un problème. Et comme personnalité monde toujours créer, supposé créer choc, parce que pas une personne qui semble avec l'autre, eh bien, pour moi, elle a réussi, amis, oui, il va falloir qu'on ait un bon Dieu, qu'on prie. Qu'on serve avec ressources que bon Dieu mettait à disposition dans la parole. Mais il faut que ou travaille sur relation parce que gen bagay sou pour faire bon Dieu pas venir faire pour bon Dieu pas mettre manger dans bouche bon Dieu a bon moyen pour venir manger, la créer travail, la ouvrir porte pour mais c'est vous-même qui pour mettre manger dans bouche. De même dans mariage, c'est vous-même qui pour choisir qui gens pour parler avec madame, qui gens pour parler avec mari, qui gens pour nous résoudre conflit parce que conflit a venir quand même que nous aimons ou pas, qui gens pour nous faire face à pression la vie à stimuler la vie à tout bagage là yo c'est responsabilité pas donc mes bien-aimés on nous pas retirer responsabilité nous dédouaner nous de responsabilité nous pour nous la vie au sous bon Dieu là bon Dieu a travaillé pour nous bon Dieu a aidé nous mais le bagage c'est tâche pas nous il faut nous faire et m'a brûlé encore pour nous dire encore soir que mariage pas capacité comme ça pour le réussir il faut travail de mari et de madame. C'est toute question si là que nous devons pour assurer, amis. Nous souhaitons que la paix de Dieu avec vous-même. Vous connaissez prédicateur mieux. Si nous programme qui vient question seulement là-dedans, faut m'ajouter l'autre bagaille. Qui semble l'ajouter à soi là? Je ne vais pas ajouter que la connaissance est belle bagaille. Mais Paul dit nous dans l'Éthlé, dans 1 Corinthiens 8, verset 1er, que la connaissance qu'on fait mon enflé. Oui, il faut nous répondre à la question de la Bible. Oui, libelle, pour avoir raison de l'espérance qui est dans nous-mêmes. Mais ce n'est pas la connaissance seulement que nous avons besoin. Nous avons besoin de tout l'amour. Nous avons besoin de relations intimes, personnelles avec bon Dieu. Et moi, content que tu m'as préparé l'émission, c'est là que tu as calculé combien de monde qui a utilisé connaissance pour gagner de meilleures relations avec bon Dieu dans le domaine de la science, dans le domaine de la philosophie. Non. Pile monde, de Pascal à Faraday, de Grégoire Mendel à Kepler sur le plan de la philosophie, de Karl Barth à Gordon Clark qui est un philosophe américain. Tout le monde sait là, c'est monde qui croit en Jésus-Christ, qui était quoi dans mon Dieu. Donc, la connaissance est vraie, il faut gagner l'humilité. C'est à ça que je m'invite à soi. Parce que tout le monde connaît. La connaissance disparaîtra. Il faut nous donner raison, il faut nous expliquer pour qui ça nous servi, bon Dieu. Qui ça nous joue dans lui-même? Et ça, Pierre dit nous. Mais ça va suffire. Il nous faut croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme sauveur, nous. Vivre avec lui-même. Pour que nous arrivions à côté, livrer nos rivières. Je vous remercie encore une fois de ce côté prêter attention à ce programme-là. Nous avons aimé que vous abonnez à la chaîne. Abonnez à la chaîne, ça. Adonai Baptist Church. Mais ça ne sont pas facile. Très souvent, regardez quelqu'un qui m'a dit, est-ce que abonné, il dit oui, nous te partagez. Partagez, c'est yon abonné son l'autre. Regardez, sous clic sur YouTube, sous programme, c'est pour un mot subscribe, là, mes amis. Clique nous à droite, côté bien petit cloche là, et puis vous faites ça. Eh bien, vous subscribe to the channel. Vous clique sur YouTube, vous montez sur Adonai Baptist Church, et vous clique subscribe, vous clique sur cloche là, et puis vous venez. Membre de Adonai Baptist Church. Vous avez accès à la chaîne Adonai Baptist Church ou abonné
On va rien pour payer pour ça. Là, on fait ça seulement encourager le programme cela pour les continuer. Encore une fois, merci pour attention. On va oublier chaque vendredi soir. Dans l'heure, ça, on va gagner réponse à la question. Continuez vos questions, bon nom. Sur 305-758-1001 ou bien sur répondeur l'église, sur email l'église Adonai Baptiste at AdonaiBaptistChurch.com. Je crois que mon Dieu t'a parlé à cœur à travers réponse là que nous t'ai proposé à question que nous t'ai adressé nous. Pas oublier continuer partager l'émission ça avec l'autre monde. Avec compagnons, avec amis, voisins, parents pour que au même tout vous capable prendre plaisir entendre des réponses à questions. Suivez le programme en général qui apparaît chaque lundi et vendredi à 9h du soir, chaque mercredi à 8h du soir. Assurez encore une fois qu'on abonnez à la chaîne l'Église Baptiste Adonai, là, Adonai Baptist Church, pour que vous ayez accès à toutes ressources que l'Église, là, avec pasteur, là, moi-même, doit mettre sous pied pour vous-même de temps en temps. En attendant que nous rencontrions la semaine prochaine, dans même l'heure, si c'est vendredi ou lundi, et à 8h du soir, si c'est mercredi, à prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle nous tous nous sommes appelés garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.